Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 21 avril 2024. Il est 17h et j'ouvre la 16e vidéoconférence de la série Les Galactiques 2024, dont le thème aujourd'hui est les Elohim. Je rappelle que toutes les informations que je communique sont strictement et uniquement de sources extraterrestres transmises noir sur blanc, à l'écrit et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre Zen. Conversation que j'ai enregistrée, bien entendu, depuis le début de l'année 2016. Voilà donc 8 ans. J'ai eu cette conversation sur les Elohim le 25 juillet 2018 à 12h34 avec une jeune fille extraterrestre d'origine pléiadienne qui s'appelle Svarupa Priyananda. Elle complétait le travail que j'avais commencé avec Zen depuis la fin 2016 en me donnant le détail des 9 systèmes stellaires de l'amas des Pléiades. Bien entendu, une partie de l'enregistrement que j'en ai fait est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Commençons par clarifier les différents termes Anunnaki, Néphilim et Elohim parce qu'ils sont utilisés en dépit du bon sens et présentés de manière incorrecte. Les Anunnaki ont commencé à être mentionnés dans des inscriptions 2300 ans avant Jésus-Christ, pendant la période sumérienne, puis de 2000 et 1200 ans avant Jésus-Christ, dans l'épopée de Gilgamesh, pendant la période akkadienne. Enfin, 1900 ans avant Jésus-Christ, pendant la période babylonienne, dans le texte Enuma Elish, qui mentionne entre autres l'existence de la planète Tiamat. C'est la version des Anunnaki que les terriens connaissent le mieux, ceux de dieux gravés dans la pierre avec des barbes et des ailes. Et enfin, 1000 ans avant Jésus-Christ, dans un texte très endommagé datant de la période assyrienne. Donc, de manière historique, la notion des Anunnaki a traversé 23 siècles dans des inscriptions ou des textes littéraires. Mais ignorant ces faits, des personnes sur les réseaux sociaux les présentent en ne se concentrant que sur la période babylonienne. Babylone se situe dans l'actuel Irak. Alors qu'il existe des textes plus anciens de l'ordre de 13 siècles et des textes plus tardifs publiés 9 siècles après. Donc, remettons les choses en place. Les premières utilisations connues du terme Anunnaki proviennent d'inscriptions datant de 2144 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a plus de 4000 ans. Dans les textes les plus anciens, le terme est appliqué aux divinités les plus puissantes et les plus importantes du panthéon sumérien, les descendants du dieu du ciel, An, A-N. Bien que certaines divinités soient décrites comme des membres des Anunnaki, aucune liste complète des noms n'a survécu. De plus, les textes sumériens décrivent les Anunnaki de manière incohérente et ne sont pas d'accord sur leur nombre ni sur leur fonction divine. Sur Terre de nos jours, le terme Anunnaki est employé pour désigner des lignées reptiliennes régressives. Passons aux Néphilim. Ce sont des personnages de la Bible et de la Torah, et donc les Néphilim font partie de croyances religieuses. Selon le Pentateuque chez les chrétiens, dans le livre de la Genèse, on peut lire « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu
furent venues vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent célèbres dans l'Antiquité. Les géants mentionnés ont été interprétés comme des Néphilim, des anges venus du ciel qui se seraient unis avec des terriennes. Mais selon d'autres textes, ces Néphilim sont les enfants de Seth et de Caïn, tous les deux fils d'Adam. Les enfants de Seth sont appelés fils de Dieu parce qu'ils sont parfaits, et les enfants de Caïn sont appelés les femmes des hommes parce qu'ils sont imparfaits. Se saisissant de cette différence à connotation patriarcale, certains rabbins les présentent comme des personnages issus d'unions entre des anges déchus et des femmes terriennes. Passons maintenant aux Elohim. Les Elohim sont des lignées extraterrestres qui sont arrivées sur Terre pour échapper à la colonisation massive qui prenait place sur leur propre planète. Ils sont humanomorphes, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des terriens. Ils ne devraient donc pas être reliés aux Anunnaki ni aux Néphilim, qui sont d'origine sauroïde. Alors pourquoi certains sont-ils appelés anges déchus? D'où vient cette idée? D'après mes contacts, c'est un mythe chrétien, comme celui des anges, les messagers fidèles à Dieu, qui sont tombés en disgrâce. Les anges déchus, c'est-à-dire qui sont venus du ciel, tombés, venus du ciel sur terre, fait référence ou désigne le groupe spécifique de races lyriennes et pléiadiennes qui sont intervenus ou se sont mêlés aux humains entre 10 000 et l'an 0 avant Jésus-Christ. Mais dans de nombreux textes, ce mélange et prendre les filles des hommes pour épouses fait également référence au génie génétique et non pas au fait de prendre littéralement une femme et de s'accoupler avec elle pour les raisons que je vais vous indiquer dans quelques secondes. Donc, parmi ces lignées qui sont arrivées sur Terre, qui sont les Elohim, il y a les Lyriens de la constellation de la Lyre. Deuxièmement, les Eloh, E-L-O-H, et les Elohi, H-I, du système stellaire Astérop, 21 Tauri, dans la main des Pléiades. Ce système stellaire, outre le soleil Astérop, comprend quatre planètes appelées Astropé, Sodonzidi, Natai et Soku. Les civilisations sur ces planètes sont essentiellement holistiques, holographiques et matriarcales, c'est-à-dire qu'elles sont dirigées par des femmes. Ces lignées sont les Eloh, E-L-O-H, et les Elohi, E-L-O-H-I, des Lyriens de Vega Avalon, humanoïdes. Il y a aussi les Naph, N-A-P-H, qui ressemblent au début de Néphilim, les Helios et les Shoshuan. Leur langue est l'Elohimiette et la télépathie verbale. Leur nombre est de 1 970 000 habitants. Ils font partie du Haut Conseil d'Astérop, Astropé, qui est lui-même membre du Haut Conseil d'Alcyone, le conseil principal des Pléiades. Ils ont semé et influencé d'innombrables cultures sur Terre, notamment au Moyen-Orient, la Mésopotamie, Sumer, l'Égypte, en Europe de l'Est et en Amérique du Nord. Ce sont principalement des instructeurs qui ont une profonde connaissance du cosmos, ils sont très spirituels et possèdent une technologie avancée et ils sont bien entendu interstellaires. Parmi les populations d'Elohim, outre ce que je viens de citer, on rencontre aussi, troisièmement, des Solaciens,
SOLATIENS, du système Pléione 28 Tauri. Quatrièmement, des Engans, ENGANS, du système Electra 17 Tauri. Cinquièmement, des Tégétans, du système binaire Tégète 19 Tauri. Ces trois systèmes, Pléione, Electra et Tégète, se situent dans l'amas des Pléiades, tout aussi bien qu'Astérope. Il existe aussi des Elohim originaires de la constellation du Triangle, Triangulum Alpha, Beta et Gamma Trianguli, à environ 64 années-lumière de la Terre. La constellation du Triangle a un portail qui, il y a 12 000 ans, était relié aux Pléiades, d'où venait une partie des Elohim qui ont fondé la civilisation sur Terre. Les habitants de la constellation du Triangle sont essentiellement des descendants des Elohim et des Lyriens et des centaines de sous-catégories. Il existe environ 150 civilisations interstellaires de type Elohim. Cette constellation du triangle est à la base du triangle que font toutes les stars du showbiz ou du monde politique avec leurs deux mains. Ils forment une pyramide, mais en fait, c'est plutôt un triangle, celui de la constellation du triangle, Triangulum. Le triangle des Illuminati avec l'œil qui voit tout, les triangles en haut des obélisques, la forme des pyramides, sont les symboles de la constellation du triangle, le lieu de la création de ces civilisations des Elohim, de la Trinité, le lieu le plus sacré du cosmos, la Terre sainte cosmique. Pourquoi certains sont-ils appelés anges déchus et d'où vient cette idée? D'après mes contacts, c'est un mythe chrétien, c'est-à-dire ceux qui sont venus du ciel et non pas qui sont déchus, c'est-à-dire tombés. En fait, ils sont tombés parce qu'ils ont atterri. Fait référence ou désigne le groupe spécifique de races lyriennes et pléiadiennes que je viens juste de nommer. Toutes ces races mentionnées ne peuvent pas produire de progéniture avec des terriennes. Il s'agit donc plus de symbolisme et de mélange culturel. Les stellaires peuvent s'accoupler, mais s'il y a des descendants, ils seront stériles. Donc la lignée irait vers sa fin s'il l'avait fait, ce qui n'est pas le cas. Ces lignées installées sur Terre pendant des générations et des générations et commençant à évoluer en 3D, verraient leur ADN se dégrader sous l'exposition constante des fréquences basses. Cela prend au moins 2 ou 3 générations pour que les stellaires qui décident de vivre ici sur Terre sans jamais retourner dans l'espace aient un ADN qui soit, on va dire, au niveau de celui des terriens. Les terriens se trompent lorsqu'ils présentent les Elohim comme des Anunnaki ou des Néphilim. Ils les confondent avec des concepts Néphilim déjà chargés de symbolisme biblique. Les Elohim ne sont pas des anges avec des ailes. Ce sont tout simplement des personnes en chair et en os qui ressemblent à des humains terriens et qui habitent d'autres planètes et d'autres systèmes solaires. Ils ont tous l'air humanoïdes. Ces Sumériens barbus avec des ailes, que diverses personnes appellent Anunnaki, sont des Elohim qui comprenaient toutes les lignées que j'ai mentionnées précédemment et qui ont été classées sur Terre de manière erronée. Tout aussi erronée est la présentation qu'en fait un Français de 77 ans de nos jours encore en vie, né le 30 septembre 1946 à Vichy, qui s'appelle Claude Vaurion. Il était chanteur sous le pseudonyme Claude Seller et journaliste sportif automobile. Raël, puisqu'il a choisi ce nom, adore toujours les voitures puissantes, même en tant que gourou d'une secte appelée Raëlien. Il a rencontré les Elohim le 13 décembre 1973
Donc, son contact est d'origine extraterrestre. Selon lui, les Elohim ont créé l'humanité grâce à la génétique. Il dit que l'humanité est entrée dans une ère d'apocalypse depuis le bombardement atomique d'Hiroshima en 1945 et que les Elohim reviendront sur Terre pour partager leur technologie avec l'humanité et mettre en place une société utopique et idéale. Les prénoms de certains hommes sur Terre, ceux des anges et des archanges qui se terminent par El, EL, ont pour origine les noms des Elohim. Le EL n'est ajouté qu'aux noms des hommes, mais pas à ceux des femmes, tout au moins dans l'espace. Par exemple, Ariel, Azraël, Zadkiel ont leurs origines dans les prénoms des Elohim. Et le El signifie qui vient de l'air ou des cieux. Question de Olivier. Est-ce qu'ils sont tous évolutifs ou certains peuvent être involutifs? Disons que de manière générale, ils sont positifs, mais il y en a certains parmi eux qui sont négatifs. Il y a quelquefois des éléments ici et là ou de petits groupes ici et là qui sont régressifs. Question de Lucie. Les Elohim sont des personnes en chair et en os. Est-ce qu'ils peuvent se présenter à nous? Donc là, vous avez mélangé deux choses. D'un côté, il y a les Elohim qui sont les vrais Elohim, c'est-à-dire des stellaires qui habitent encore actuellement sur des planètes qui ne font pas partie de notre système solaire. Et il y a d'un autre côté toute l'histoire, tous les contes, tous les mythes qui sont créés ici sur Terre à partir de leur passage. Question de Louisa. Pour revenir aux Anunnaki, en fait, si j'ai bien compris, ce sont aussi des Elohim. C'est-à-dire que les Anunnaki, ce n'est pas une lignée, ça ne représente pas une race du tout. Parmi les Anunnaki, il y a des Elohim, les vrais Elohim, je veux dire, des stellaires, ou alors ceux qui sont venus vivre ici sur Terre. Mais il y a aussi des tas de choses, comme les Terriens ont trouvé ces statues de différentes périodes de l'histoire terrestre. Et ils les ont associés avec les Anunnakis, ils ont créé des tas d'histoires qui ne correspondent à rien du tout, en se concentrant sur la période babylonienne. C'est une création terrienne. Question de Guylaine. Ma question, c'est de savoir si cette descendance, que ce soit au Moyen-Orient, Mésopotamie, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord, est-ce qu'ils ont un type physique particulier? Les Elohim sont essentiellement de type nordique, c'est-à-dire avec des cheveux blonds et des yeux bleus et la peau blanche. Mais il y a également une partie qui ont une peau cuivrée, des yeux bruns et des cheveux bruns. Question de Louisa. C'était rapport avec les Néphilim. Vous disiez qu'ils avaient une certaine catégorie de terriens et qu'ils avaient ramené les croyances religieuses, la Torah. Et dans quel but ces croyances religieuses ont été ramenées sur Terre par ces Néphilim dans la Torah? Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que les Néphilim avaient créé les religions et les avaient ramenées sur Terre. J'ai dit que les Néphilim sont essentiellement mentionnés dans des textes religieux. En fait, ce sont des personnages qui apparaissent dans des croyances religieuses, le catholicisme, le judaïsme et l'islam. Question de Carole. La venue de Jésus, de Bouddha, de Mahomet, des prophètes, on a toujours entendu dire qu'ils sont venus comme pour aider l'humanité, pour élever notre niveau de conscience, pour nous spiritualiser davantage, amener plus d'amour, de bonté. C'est en lien avec les extraterrestres. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui ont été créées à partir d'histoires extraterrestres. C'est-à-dire que la Terre était habitée par des extraterrestres avant le déluge, de manière totale planétaire.
et il se développait des proto-humains en parallèle. Mais la Terre était complètement habitée par des extraterrestres avant. C'est comme un copier-coller des histoires extraterrestres, mais qui auraient été mises au goût terrien par ceux qui contrôlent la planète. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 18h. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et vos questions. Nous nous reverrons donc dimanche prochain pour un autre épisode des Galactiques 2024. Passez une bonne fin de week-end et on se revoit la semaine prochaine.